Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et en compagnie de nos débatteurs du jour que je vais saluer, qui est avec nous depuis le sud de la France, Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Christine et bonjour à tous. Membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Ergun Toparslan, bonjour Ergun. Bonjour. Vice-président et porte-parole de Territoires de Progrès, Christelle Niasme. Bonjour Christelle. Bonjour. Conseillère municipale à Villeneuve-Saint-Georges et Fabrice Akoun, bonjour Fabrice. Bonjour. Chef d'entreprise, auteur de Rallumons les Lumières. Fabrice, avez-vous écouté ce matin Thomas Cazenave, le ministre qui ne connaissait pas toute la paperasse administrative que vous deviez remplir. Alors, je suis désolé, mais effectivement, je ne l'ai pas écouté, mais je ne suis pas étonné. Ah oui. on essaiera de retrouver l'extrait, on vous le fera écouter avec Jean-Jacques Gourdin. Voilà, tout ce qu'on doit faire. En attendant, on va parler, bien sûr, dans un instant d'emploi et de chômage aussi, avec toujours cette question en filigrane pour remplir les caisses de l'État. Le gouvernement s'apprête donc à demander une troisième réforme de l'assurance chômage. Est-ce qu'il faut réduire l'indemnisation? Est-ce que c'est ça la solution contre le chômage? J'ai retrouvé le plein emploi. On voit bien que ce sujet actuellement divise au sein même de la majorité et aussi avec les partenaires sociaux qui doivent plancher sur le sujet. Les Jeux Olympiques, alors, on a appris hier que la France allait bénéficier de l'aide de forces de sécurité étrangères. Ils ont fait appel à 35 pays. Il y a 2000 soldats ou militaires qui vont venir en renfort. Certains se demandent s'il ne faut pas passer à un plan B concernant notamment la cérémonie d'ouverture. Ces 6 km sur la Seine qui semblent si compliqués par les risques d'attentats aujourd'hui à sécuriser. Et puis l'affaire du lycée Maurice Ravel, ces menaces d'attentats. Hier, on a appris également que la ministre de l'Éducation nationale avait donc demandé l'arrêt des environnements, des ENT, environnement numérique terrestre, de tous les élèves afin de sécuriser le système. Mais on parle aussi de ces questions de laïcité avec cette affaire de voile et ce lycée Maurice Ravel. Manifestation ce matin à Paris, devant l'établissement, des proviseurs qui dénoncent, on va dire, le manque de soutien ou en tous les cas le problème qui se répète pour eux. Voilà pour une partie du menu de ce vendredi. On va commencer par vos coups de cœur et vos coups de gueule de l'actualité. Christelle, vous vouliez nous parler de la mort de cet orque qu'on a appris hier du Marineland d'Antibes. C'est ça. Donc c'est, je crois qu'en l'espace de 6 mois, donc sur ce parc aquatique qui est sur Antibes, il y a un orque qui est mort parce qu'a priori les conditions de traitement ne sont pas les bonnes. Et puis du reste, on peut se poser des questions sur quelles conditions de traitement seraient valides pour un orque dans un milieu aussi contraint, parce que c'est quand même un animal, qui, à mon sens, un animal sauvage qui devrait rester là où est sa place, hein, dans la nature. Et puis ça m'a emmené sur la réflexion sur le rapport des Français, de nous tous finalement à l'animal en réalité, et puis parce que c'est quand même un coup de cœur, même si cette annonce est assez triste, sur la loi Juvin qui est passée il n'y a pas très longtemps, hier je crois, ou avant-hier, j'ai peut-être manqué un ou deux jours, sur le fait qu'on peut maintenant avoir un animal de compagnie avec soi quand on va dans les EHPAD. Donc ce qui me touche en réalité sur ce sujet, c'est qu'on est, j'ai le sentiment que il y a beaucoup de choses qui bougent en France en ce moment, mais sur la question de la condition animale et de la réflexion qu'on a autour de l'animal comme un être sensible, elle est en train de bouger. Et puis finalement on se rend bien compte que ils ont toute leur place, déjà d'une part dans la nature, la nécessité de respecter les animaux, et puis du lien finalement que nous avons avec l'espèce animale. C'est finalement, nous ne sommes que des mammifères comme les autres. La cause animale, est-ce que ça va être un sujet des élections européennes, vous pensez? On n'est pas parti pour l'instant, hein, Jean-Luc? Non, mais je suis assez d'accord. L'édition du parc aquatique à Antibes n'est pas nouvelle. Hein, si vous regardez l'actualité sur plusieurs années, elle est récurrente. Bon, moi, je pense comme vous, madame, hein, que ça n'est pas la place de ce genre d'animaux d'être dans un parc aquatique. Très bien. Plus compliqué, et l'histoire est plutôt très importante, de les animaux de compagnie dans les EHPAD. Tout le monde, je pense que sur ce plateau, tout le monde est d'accord. Tout le monde voit l'énorme complexité. On connaît déjà les difficultés dans les EHPAD. Ça va demander des accueils et des accueillants en plus par rapport à cette gestion. Voilà, moi je trouve que c'est une très bonne idée, elle est excellente à mettre comme idée, la mettre en place va demander, je me répète, d'énormes moyens.
Alors, ben Jean-Luc, puisque vous avez la parole, un coup de cœur pour un jeune homme brillantissime, que je vous rejoins. Pour être brillantissime, il est brillantissime. Il s'agit de Léon Marchand. Alors, Léon Marchand, pour ceux qui ne s'intéressent pas au sport de haut niveau, pour l'instant, c'est personne. Sauf que, au niveau des Jeux Olympiques, on en parlera tout à l'heure pour cérémonie d'ouverture, mais ça va être la vedette et nationale et internationale. C'est un surdoué de la natation. Il est capable, dans toutes les disciplines de natation, quelle que soit la nage, d'être le meilleur quasiment dans le monde. Donc on verra ça au fur et à mesure. On peut le dire d'ores et déjà aujourd'hui, puisque il y a les championnats universitaires américains. Alors, les championnats universitaires américains, c'est à la fois amateur et à la fois c'est extrêmement professionnel. Il bat jour après jour tous les records de plusieurs secondes. Voilà. Pour ceux qui s'intéressent à ça de très près, c'est le nouveau Michael Phelps. Donc on est dans le très haut niveau. Je ne mets pas de côté tous les autres champions et championnes françaises ou autres qui seront aux Jeux Olympiques. Mais là, je crois qu'on a la super vedette. Voilà. Alors sauf blessure, mais a priori en natation, la blessure est quand même plus rare que dans d'autres sports. Mais enfin, voilà. On a là l'homme qui sera le héros français de ces Jeux Olympiques. Je rajouterai qu'il est toulousain, Jean-Luc. Par ailleurs. Voilà. comme beaucoup de nageurs. Non, mais voilà, c'est un garçon, effectivement, qui a la tête sur les épaules, qui est parti aux États-Unis justement pour ses études, parce qu'il fait des études d'ingénieur. Donc là aussi, ça fonctionne. Et pour échapper également à la pression, il a l'autorisation. Il est entraîné justement par l'entraîneur de Michael Phelps. Oui. C'est un phénomène. Son papa a été médaillé olympique aussi, hein, Xavier Marchand. Ah. Et sa maman également est championne. Donc voilà, c'est un phénomène et il épate tout le monde. C'est quasiment une assurance de double ou triple médaille d'or compte tenu de ses chronos. Magnifique. Voilà. S'il avait le temps de faire toutes les compétitions, il pourrait en faire plus, mais il n'aura pas le temps. Ça, et en fait, et ce qui est fascinant, je l'ai rencontré plusieurs fois, ce qui est fascinant quand il parle de tout ça, il dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'amuser. Voilà, donc il n'est même pas dans la recherche de la performance ultime, c'est de garder du plaisir dans les bassins. Allez, on va revenir dans un instant, on va continuer de décrypter l'actualité de ce jour après les infos et les pronostics de Jean-Paul Delperrier. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et pour refermer ce mois de mars, tous ensemble, on est en compagnie de Ergun Toparslan, vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des Droits de l'Homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, Christelle Niasme, conseillère municipale à Villeneuve-Saint-Georges, et Fabrice Hakoun, chef d'entreprise, auteur de Rallumons les Lumières. On en était au coup de cœur et au coup de gueule des uns et des autres. On continue de faire ce tour de table. Je me tourne vers vous, Fabrice. C'est un week-end important pour la communauté catholique chrétienne. Voilà, et même au-delà de ça, je pense pour la France. C'est justement pour ça que j'ai décidé. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce coup de cœur, ce qui est rare parce qu'en général c'est plutôt des coups de gueule. Je pense qu'en fait, c'est Vendredi Saint, donc c'est la Pâque qui arrive, qui est une fête essentielle dans le catholicisme. Et il y a un grand rebond même des demandes de baptême à l'occasion de la Pâque. Et je trouve que c'est un excellent indicateur du fait que les Français renouent avec leurs traditions, renouent avec leurs racines, parce qu'on ne peut pas intégrer correctement et développer une société correctement quand on n'est pas très solidement installé sur ses fondamentaux. Ça me paraît essentiel et on sait que les gens qui s'intègrent le mieux et ceux qui intègrent mieux les autres sont toujours ceux qui sont solidement ancrés sur leurs valeurs et leurs fondamentaux. Donc je trouve que c'est un très bel indicateur. Ce n'est pas par christianophilie et je le dis d'autant plus facilement que ça n'est pas ma confession. Et je réfuterai même le terme que vous avez employé de communauté catholique. Je pense que c'est la communauté nationale qui a gagné dans ce... C'est d'abord une fête religieuse. Oui, c'est vrai. Plus seulement parce que regardez Noël aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment une fête religieuse? Je trouve que c'est intéressant. Pour les catholiques, oui. Pour les catholiques, oui. Mais je trouve que pour la nation tout entière, ça fait partie des racines de ce pays. Et je pense qu'il est essentiel de les rappeler et de renouer avec les racines de ce pays. Je pense qu'on vit sous l'empire d'une démocratie chrétienne. Je vais vous titiller. Oui, demander aux gens qui en profitent parce qu'il, par exemple, il peut faire beau. On espère qu'il va faire beau. pourquoi on célèbre le lundi de Pâques? Oui.
Je suis pas sûr que vous ayez beaucoup de réponses. Non, je sais bien, mais c'est malheureux justement. C'est pour ça que j'ai ce coup de cœur. Je pense que c'est important de renouer avec ça. Je rappelle juste pour finir un élément essentiel. Même si les institutions de ce pays sont calées sur la démocratie gréco-romaine, hein, sur le fonctionnement des démocraties gréco-romaines, nous vivons sur l'empire d'une démocratie chrétienne. Et c'est pour ça que c'est inclusif. Non. Je vous dis, c'est ce qui fait la force. Non, mais moi, je vous dis, j'assume parfaitement. Je le développe dans mon livre. Alors, c'est difficile de le développer là à l'antenne, mais je pense qu'on vit sous l'empire de la démocratie chrétienne. C'est pas parce qu'on vit sous l'empire de la démocratie chrétienne qu'on n'est pas dans un pays laïque. Comme avait dit le président Macron, et c'est très rare que je le cite, la France n'est pas exempte de religion. Je ne sais plus exactement ce qu'il a dit, mais en tout cas, il a dit c'est la République qui est laïque, mais la France peut être effectivement. Je pense qu'on y gagnerait à avoir une lecture comme la vôtre qui est plus dans l'acceptation de ce que nous sommes et de comment on a évolué. Oui. Moi, je suis vraiment chacun, très gênée sur le fait qu'on cherche à gommer en permanence, on peut plus dire fête des mères, il faut dire fête des gens qu'on aime, il faut plus dire fête de Pâques, ça devient fête de printemps. C'est un ensemble, voyez, c'est le nihilisme. Moi, ça me gêne beaucoup, et je préférerais qu'on soit vraiment dans cette réflexion où qu'est-ce qu'on est, quelle est notre identité, d'où l'on exactement vient, et comment on accepte finalement toutes les franges, tout ce qui constitue la France aujourd'hui. Exactement. Moi, je suis des Antilles, donc je considère que. Mais est-ce que c'est pas à chacun, quelle que soit sa religion, de la faire chacun comme il veut, exactement, dans son coin? Mais c'est pas pour ça qu'il faut gommer les racines de ce pays. Le problème dans vos propos, quand même, c'est la gauche. La gauche, en particulier LFI, l'extrême gauche, excusez-moi, l'extrême gauche aujourd'hui cherche depuis des décennies. Non, mais sur la fête de Pâques, parce qu'on est sur le week-end de Pascal, sur la fête de Pâques, qui a dit à gauche dans le camp LFI, parce que j'ai peut-être raté quelque chose. Non, mais je dis pas qu'ils le disent systématiquement au moment des fêtes, mais vous avez une tendance qui consiste à vouloir gommer tout ce que représente ce pays, et de faire des catholiques une communauté comme les autres au sein d'un pays qui serait une addition de communautés. Je ne suis pas d'accord avec cette vision-là. J'ai du mal à voir où, mais le problème dans vos propos, c'est juste que vous donnez un volet politique à tout ça en parlant de démocratie chrétienne. Et là, ça pose un problème à beaucoup de monde dans ce pays, un pays qui a fait une révolution républicaine, qui a fait la loi de 1905 et pour qui la laïcité est cardinale. Et l'alpha et l'oméga de absolument. Et du coup, parler de démocratie chrétienne en France, je suis désolé, ça ne passera pas, parce qu'on peut comprendre qu'il y a une histoire, il y a des confessions, tout ce que vous voulez derrière, mais politiquement, il est très important de mettre cette étanchéité sur l'aspect qui revient de la vie privée, de la vie religieuse et des convictions intimes de personnes, et l'aspect politique. Et pour moi, je pense que c'est le seul garant qui nous permettra de mieux vivre ensemble. Alors, je trouve que ça n'est pas une réussite aujourd'hui. Pour avancer un peu sur le sujet aussi. Alors, Jean-Luc, sur ce qui vient d'être dit, on voudrait gommer cette partie-là de notre calendrier. Vous en pensez quoi ? J'en pense qu'il n'y a aucune chance qu'on les gomme. Maintenant, je ne suis pas totalement d'accord avec tout ça. Moi, je suis d'accord avec Erdogan sur le fait que nous sommes dans une république. Il y a la loi de 1905. Elle est, pour moi, extrêmement aboutie, quelles que soient les religions et quelles que soient les tendances des personnes. Pour moi, voilà. Après, excusez-moi, la fête des mères est quand même sous origine de Monsieur Pétain. Non, mais... Alors, je viens, mais faut pas oublier un certain nombre de schémas historiques qui font que se revendiquer de ça. Moi, j'ai rien contre, j'ai rien pour, j'ai rien contre. Mais dire que la France est démocrate chrétienne, non, la France n'est pas démocrate chrétienne. Mon propos était plus de dire qu'on peut pas remettre, qu'à un moment donné, si on veut pouvoir accepter tout ce qui constitue la France aujourd'hui, la France, toute nation a des racines. Absolument. Il ne s'agit pas de gommer ces racines. Je pense qu'on y perd à vouloir. Je suis d'accord, mais elles sont très larges, les racines françaises. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et que le fait d'accepter toutes ces franges qui constituent la France, c'est. Moi, je suis pour une vision de la laïcité qui est une vision qui accepte. Absolument toutes les franges. Et que justement, la religion, ça reste à la maison. Et ce qui nous sauve tous, c'est la République, c'est le fait républicain. Oui. Mais qu'à un moment donné, ça veut aussi dire qu'on est en capacité d'accepter tout ce qui constitue ce que nous sommes. Moi, je ne crois pas que la négation et le nihilisme permettent quoi que ce soit. Et pour revenir sur une chose essentielle, on parle de laïcité, mais c'est quand même très étonnant que ceux qui soient les plus anticléricaux aujourd'hui sont ceux qui soutiennent l'islam radical en France, c'est-à-dire LFI. Moi, je voudrais comprendre, en fait. C'est une géométrie variable très étonnante. Il n'y a pas que.
c'est une réalité. Il n'y a pas que les filles. Non, aujourd'hui. C'est surtout pas les filles qui défendent la laïcité comme il le faudrait. Je vois pas pourquoi. Donc on se rejoint là-dessus. Ah bah écoutez, ils sont en permanence dans l'anticléricalisme, mais ils soutiennent une forme politique de religion extrémiste. Moi, je voudrais juste comprendre, en fait. Moi, voilà, il y a effectivement cet aspect-là des choses, mais je reviens sur cette notion-là, 67 millions de Français. On verra si effectivement 67 millions de Français savent exactement pourquoi nous avons un week-end pascal aujourd'hui, un lundi de Pâques férié. On va aller chercher les œufs. On va aller chercher les œufs et manger l'omelette. Et le gigot, voilà. Désolé pour les véganes. Alors, c'est aussi, ils vont être machin. Bon, bref. Page refermée, pas tout à fait, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on va observer de très près ce week-end. C'est l'état de santé du pape François, parce qu'il se passe aussi des choses du côté du Vatican. C'est une fin de règne, très clairement. Et quel courant au niveau de l'Église catholique va prendre le dessus aussi de ce côté-là, avec des réformes importantes. On le sait, il y a eu tout le travail fait sur les violences sexuelles des prêtres, etc. Mais à quand l'ouverture à la société civile, à la place des femmes? Tout ça, c'est des vrais sujets que va devoir se poser la suite du pape François, n'est-ce pas? Absolument. Et vous en pensez quoi? Ah bah moi je pense qu'il y a besoin de réformes. Je vous parle. Bah aujourd'hui, enfin. Je vais probablement vous choquer, mais je trouve qu'il a été beaucoup trop peu présent en fait dans le débat. Et quand il a été présent, dans c'était quel pour, débat parce qu'il dans a le débat public choses, en fait autour. Non, dans le débat public autour de la place du catholicisme et du christianisme. Alors je vais paraître comme un grand défenseur du catholicisme et du christianisme, mais je pense que cette religion a une place dans le débat public sur les questions sociétales. Par exemple, on a une problématique sur les questions sociétales, le thème de l'avortement, qui est un thème essentiel, le thème du préservatif, qui a fait reculer beaucoup de jeunes qui aujourd'hui ont renoncé à leur foi parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans les thèmes qui sont dans le conservatisme en fait de l'Église, le mariage des prêtres. Il y a tout un tas d'éléments effectivement sur lesquels finalement il n'y a pas vraiment eu d'avancée. De la part de l'Église. Oui, absolument. Sous l'impulsion du pape. On voit par exemple Jean-Paul II, il y a un pape qui a mené beaucoup d'impulsions. Paul VI, pareil. Bah, il reconnaît les couples homosexuels aujourd'hui. C'est une reconnaissance pour l'instant. On espère qu'il y aura beaucoup plus. Par exemple, les femmes ont un peu plus de droits de citer. Sur les immigrés aussi. Sur la pauvreté, il a quand même dit des choses importantes. Il a dit, mais est-ce que ça a été suivi des faits? Est-ce que ça a été. Mais ça quand même une autorité. C'est une autorité législative. Je pense que, y compris lors de sa venue à Marseille, ça a calmé pas mal d'esprits quand il a rappelé un peu. Le rôle de l'humanité et l'approche qu'on devrait avoir vis-à-vis de l'immigration. Allez, on va se mettre d'accord dans un instant après la pause. On va parler de la semaine des 4 jours, les 35 heures en 4 jours et pas on réduit le temps de travail à 4 jours. Ne rêvez pas quand même. Hein. Allez, à tout de suite. Au secours. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Toujours en compagnie de Fabrice Hakoun, Christelle Niasme, Jean-Luc Benyamas et Ergun Turpaslan. On en était au coup de cœur et au coup de gueule, et donc je le disais, on va revenir sur cette petite annonce, Ergun, de Gabriel Attal, qui a fait un tour l'autre soir, on en a déjà parlé, mais il pousse pour que les entreprises aillent plus et qu'éventuellement même on aille vers un accord pour que ceux qui le souhaitent fassent la semaine de 35 heures en 4 jours. De 35 ou 39 heures en fonction du... 35 heures, il n'y en a plus beaucoup qui les font vraiment. Oui, c'est ça, mais l'idée c'était aussi de lutter contre une inégalité. C'était cette approche qui m'a beaucoup plu. C'est vrai qu'aujourd'hui on constate qu'entre les Français, il y a une inégalité entre ceux qui peuvent faire du télétravail dans leur métier et ceux qui n'ont pas l'opportunité. Et c'est vrai que c'est un gros avantage pour l'équilibre vie privée, vie professionnelle des Français et permettre, en tout cas autoriser dans le cadre d'un accord avec son patron de pouvoir faire le même nombre d'heures de travail dans un nombre de jours réduit permettrait de lutter contre cette inégalité-là. Mais plus globalement, l'approche de réflexion qui vise un peu réfléchir autrement dans un objectif de relancer l'emploi, de rapprocher les Français de l'employabilité et surtout de lutter contre le chômage qui est un impératif quand on voit le déficit public qu'on a aujourd'hui, qui est le seul plus gros levier qui permettrait de lutter contre ces déficits-là, m'a beaucoup plu et surtout amener ça au débat, permettre aux économistes et aux parlementaires d'en débattre prochainement au sein de notre Assemblée sera pour moi, je pense, très salutaire. Et encore une fois, c'est un progrès qui est attendu par beaucoup de Français. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'irritation. Les réactions qui ont suivi étaient un peu épidermiques, si je peux me permettre, quand on parle de semaine de 4 jours ou de 32 heures. Mais c'est un processus. Ce sont parfois, souvent, beaucoup de réactions, comme ce qu'on avait pu entendre au 19e siècle, quand les femmes avaient obtenu 3 jours...
trois jours après une naissance pour quitter l'établi. À chaque fois, on remettait en cause la compétitivité. Est-ce que la France tiendra la compétitivité pour dans la compétition internationale qu'on avait autorisé les Français, les enfants populaires à aller à renseignement? C'était pareil, on allait perdre des bras. Donc aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de ce genre de débat. On en a parlé notamment en Sud Radio, on était au salon des PME à Lyon cette semaine, et notamment on a parlé de ça avec le patron de la CGPME qui suppliait le gouvernement de ne pas imposer ce mode et ce rythme-là, et de laisser la liberté aux entreprises. Alors le plus bête serait d'imposer une certaine chose aux entreprises, je pense, mais c'est bien aussi de pouvoir autoriser, donner de Et est-ce que vous croyez, parce qu'il y a peu, il y a des expérimentations qui sont lancées, il y a assez peu de candidats dans les administrations visiblement qui ont posé la volonté de faire ça cette semaine des 4 jours. Est-ce que est-ce que les salariés s'y retrouvent de blinder leur journée en 4 jours? Ça peut être un choix, mais le premier critère, ce sera certainement pas le premier critère, mais on voit aussi que aujourd'hui dans les négociations, il y a ce critère de télétravail ou cette possibilité de flex qui est demandé par certains. Mais le premier critère, ça restera toujours le salaire. Progrès social, Jean-Luc Benhamias, la semaine. Je rappelle juste que dans un grand pays qui s'appelle l'Allemagne, la semaine de 32 heures existe et la semaine de 4 jours à 32 heures existe dans les grandes entreprises. Ce qu'il faudrait surtout dans notre pays, c'est qu'on écoute enfin l'ensemble des formations syndicales, quelles qu'elles soient. Vous parliez de la CGPME, qui n'est pas une formation syndicale, c'est une formation patronale des petites et moyennes entreprises, mais qu'on écoute enfin ceux qui travaillent réellement sur le terrain par rapport à l'évolution des possibilités qu'on a. Or, il se trouve que aujourd'hui, l'écoute de quelle que soit la formation syndicale, il y en a 8, aucune écoute de la part du gouvernement, strictement aucune. Je ne vais pas revenir sur les histoires de la gestion absolument anormale de ce qui s'est passé l'an dernier par rapport au travail et par rapport à la loi travail. Mais enfin, tant qu'il n'y aura pas d'écoute réelle de ce qui existe sur le terrain, de gens qui sont de syndicalistes qui sont formés pour cela, qui sont des gens absolument, et hommes et femmes absolument sérieux, eh bien, tout ce débat n'existe pas. Parce que on parle de ça, mais en même temps, Monsieur Gabriel Attal, il serait bon d'ailleurs qu'un jour il travaille, à un moment donné, qu'il connaisse à peu près ce que ça veut dire travailler, être dans une formule que connaissent 95% de la population française, il ne la connaît pas. Alors, quand on est aussi aujourd'hui sur le fait de dire, on va en parler tout à l'heure si on a le temps, de limiter les allocations chômage, limiter les nombres d'années, de mois des allocations chômage, je trouve que à ce niveau-là, il n'y a strictement aucune écoute de la société civile organisée qui s'appelle le syndicalisme. Progrès social, Christelle. Je me posais la question parce que quand on veut faire des réformes, pardon. Parce que par exemple une femme, enfin un couple séparé avec une garde alternée. C'est exactement ce à quoi je pensais. C'est la question que je me posais, mais c'est l'exemple qu'a pris Gabriel Attal. Ouais, d'accord. Mais je me posais la question justement sur la facilité que ça peut donner justement quand parce qu'on est on a baissé il y a pas très longtemps, ou genre je sais même pas si c'est passé sur la baisse justement des aides, des congés parentaux. Enfin, on est en train de réduire, de rogner en fait toutes les aides en termes de politique familiale. Donc à un moment donné, peut-être qu'il faut aussi faciliter bien à nos familles la gestion de leur travail. Après, ça peut fonctionner si toutefois ça doit être mis en place, si il y a une réelle écoute de ceux qui le vivent. On peut pas mettre en place imposer 4 jours comme ça, enfin décider de l'emploi du temps des familles. C'est complètement ubuesque en fait, parce que il y a que les familles qui savent comment elles gèrent leur quotidien avec les enfants, avec leur quotidien, famille monoparentale. Il y a une nécessaire écoute du terrain. Alors il y a des questionnements qui se font du côté des chefs d'entreprise. Il y a des patrons qui disent ils sont plutôt favorables à ça, des grandes entreprises, disent c'est plus juste que de proposer du télétravail parce que ça met tout le monde sur le même pied d'égalité. Mais qui crée l'emploi aujourd'hui en France, c'est pas les grandes entreprises, ce sont les PME. Donc en fait, je pense qu'il y a deux choses, il y a le fond et la forme. Sur la forme, il faut se poser la question de l'intention de Gabriel Attal. On sait qu'il est dans une très grande difficulté sur le régalien et sur les affaires extérieures, les affaires étrangères. Donc, tout d'un coup, on nous sort du chapeau. Les affaires étrangères, c'est du domaine du chef de l'État. D'accord, oui, mais enfin, le gouvernement, en tout cas dans sa globalité, j'imagine qu'il a fait... les affaires étrangères, mais oui. Mais donc, il y a déjà l'intention avec laquelle ceci est proposé. Après, sur le fond, on sait très bien que plus on rigidifie, plus l'État se mêle
de l'économie, de l'organisation du travail et de la vie des entreprises, et plus on a de chômage. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arrêter avec ce système jacobin, centralisateur, on va en reparler sur l'indemnisation du chômage. Ça n'est pas le rôle que l'État se concentre. Est-ce que c'est si vrai que ça, Fabrice? Par exemple, quand on décide de défiscaliser les heures supplémentaires, il faut bien que ce soit l'État qui le décide. Tout le monde a dit que c'était formidable, c'est une mesure fiscale. Mais l'organisation du travail, moi je prône une inversion de la hiérarchie des normes. Aujourd'hui c'est la loi, et puis après vous avez les accords de branche, et puis après vous avez les accords d'entreprise. Il faut inverser tout ça en fait. Ceux qui savent pertinemment, et je rejoins Jean-Luc là-dessus, ceux qui savent pertinemment ce qui est bon pour eux, ce sont ceux qui sont au sein des entreprises. Donc Uber par exemple. Non, c'est pas Uber, c'est autre chose ça, parce que là ils sont hors la loi. Alors, ils sont hors la loi. Je suis pas certain qu'ils pensent. Alors justement, je reviens maintenant sur le syndicat. Tout ça doit s'accompagner d'un mouvement qui est l'obligation de se syndiquer en France. Aujourd'hui, on a des syndicats qui ne sont pas représentatifs. Ils représentent 7% des salariés et donc ils ne peuvent pas précisément négocier pour les salariés et savoir ce qui est bon. Donc je pense qu'il faut obliger les Français à se syndiquer. Vous voyez, pour le coup, là, c'est une mesure importante. Quand tous les Français sont syndiqués, mais attention, il faut ouvrir le syndicalisme, il faut pouvoir créer des syndicats comme on veut, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez des syndicats représentatifs, c'est très compliqué de créer un syndicat, et je peux vous dire que je l'ai vécu au Prud'homme, donc j'ai pu voir, puisque j'étais 16 ans juge au Conseil des Prud'hommes. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, il faut transformer cette société en profondeur, transformer la vision qu'on a du travail. Je ne suis pas contre la semaine de 4 jours, je ne suis pas contre la semaine de 32 heures, je ne suis pas contre tout ça, je suis contre l'idéologie avec laquelle on traite le travail dans ce pays. Très souvent, ce qui se passe, c'est que dans les moments difficiles, on attend souvent une intervention de l'État, donner des axes stratégiques, etc. Et quand l'État ou le gouvernement souhaite donner une vision, impulser certaines choses dans le monde de l'entreprise, on se retrouve à être critiqué là-dessus. La réalité, c'est que le politique doit pouvoir faire des propositions et doit pouvoir porter certains progrès qui sont demandés. Et c'est un peu l'approche. Mais ce qui est intéressant, c'est de donner une latitude, non pas imposer certaines choses, mais donner des possibilités de faire ou pas faire. Allez, on va s'arrêter un court instant, bientôt 11h30. On va parler de l'indemnisation des chômeurs. Faut-il la réduire pour tout simplement arriver au plein emploi? C'est une des idées avancées par le gouvernement et aussi pour remplir les caisses de l'État. Tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Avec Ergun Toparslan, Jean-Luc Benamias, Christelle Niasme et Fabrice Acounon, on referme la porte, enfin en tous les cas, la porte des 35 heures en 4 jours nous permet d'aborder le sujet des indemnisations chômage. Le sujet de la semaine, ça a donc été le déficit annoncé qui était plus important de prévu. Est-ce que, d'ailleurs, tiens, je repense à ça, d'apprendre soudainement de la part de l'État qu'entre le mois de décembre et le mois de mars, nos comptes publics dérapent vertigineusement et on passe la barre des 5%. Jean-Luc, est-ce que c'est... terrifiant. Est-ce que c'est quoi? On s'y attendait, on a dit, on voulait pas annoncer la catastrophe trop tôt pour les fêtes de Noël, ou ça paraît surprenant, ou on peut y croire? Enfin, moi, je... De quoi, le déficit? Ouais, c'est-à-dire que il y avait 4,9 en décembre et on est à 5,5 au mois de mi-mars. Il n'y a pas vraiment de surprise par rapport au déficit. Il y a des raisons sérieuses par rapport notamment à la gestion de la crise Covid. Alors on en pense ce qu'on en veut, mais il y a quand même une gestion. Donc il y a des raisons qui viennent de là. Et puis il y a d'autres raisons, c'est que globalement, le plus gros déficit, c'est les emprunts que nous faisons avec l'inflation qui existe au niveau et français, européen et mondial. Évidemment que tout d'un coup les déficits augmentent. Ceci dit, je pense qu'un État, de mon point de vue, ne peut pas être en faillite. Donc, globalement, il faut revenir. On doit forcément y travailler. Je pense que toucher aux aides d'indemnisation chômage, c'est vraiment alors prendre la dernière roue du carrosse pour toucher au déficit public. Et je dirais même, pour être direct, que c'est une abomination, quoi. Je veux dire, c'est ne pas connaître la façon de gérer quand on est au chômage. 95% des chômeurs n'ont aucune envie de rester au chômage. Mais je oui. dis bien 95%. Ouais. Donc c'est pas en tapant sur eux et en limitant le nombre de mois d'indemnisation qu'on va régler quel que soit le problème. Mais en plus, ce qui gère les allocations chômage, tout le monde le sait aujourd'hui, ça n'est pas en déficit. Non. Oui, oui. Et donc, je vois pas très bien la liaison entre la dette de l'État
et la gestion du chômage. Exactement. Et aller chercher de l'argent là où on ne doit pas aller le chercher. C'est une assurance chômage, je rappelle. Fabrice. C'est de la pure démagogie. Le chef d'entreprise. C'est de la pure démagogie pour plusieurs raisons. La première, et là ça m'inquiète parce que ça fait plusieurs fois que je suis d'accord avec Jean-Luc Benhamias. Mais non, mais c'est la magie de Pâques. C'est la magie, oui, exactement. Donc, première chose, c'est un système assurantiel. D'accord, oui. Donc c'est pas la solidarité nationale, il faut arrêter avec ça. On cotise pour sa propre assurance. Première chose, donc sur le plan philosophique, ça n'est pas de l'assistanat. Deuxième chose, dire qu'on va réduire les indemnités chômage pour réduire le déficit, c'est rendre responsables les chômeurs du déficit. Philosophiquement, c'est un scandale, encore une fois. Pour une raison simple, c'est que les chômeurs, pour la plupart, comme le dit Jean-Luc, ne sont pas responsables de leur situation. La troisième chose, c'est prendre la chose par le mauvais bout. C'est-à-dire, le problème, c'est la dynamisation de l'économie. C'est-à-dire que, à cause du déficit, on va encore augmenter les impôts, on va encore augmenter les charges, tout ça va peser sur l'emploi, et puis on va mettre encore plus de gens au chômage, et comme il y aura encore plus de gens au chômage, on aura encore plus besoin d'assistance sociale, et parce qu'on aura encore plus besoin d'assistance sociale, je parle d'autre chose que chômage, eh bien, on va encore augmenter les impôts qui vont creuser le chômage. Donc c'est une logique, c'est une systémique qu'il faut changer totalement. Avec quelque chose aussi d'important de rappeler, parce que quand Gabriel Attal a présenté la mesure, il a dit le système français le plus généreux en Europe pour les chômeurs. Donc il y a eu des rectifications de fait pour montrer qu'on est généreux. Quand même ergoun. Alors il faut s'attaquer à l'assurance chômage pour la troisième fois de suite. Je rappelle aussi qu'il y avait une réforme récente, il n'y a pas plus tard qu'un an et demi, qui était censée aller dans le sens où quand le chômage va... quand il y a trop de chômage, on ajuste en fonction de la situation. On resserre les vannes quand il y a du plein emploi et on indemnise mieux quand c'est plus difficile de trouver un boulot. Ça paraissait plutôt une bonne intention. Pourquoi est-ce qu'à nouveau, Gabriel Attal, le gouvernement, s'attaque aux chômeurs ? Pour cacher le reste ? Non, je pense pas. Ce serait vous mentir de dire qu'il n'y a pas un malaise dans la majorité présidentielle sur ce sujet-là. Et alors ? Quand vous dites, heureusement, ça paraît logique. En fait, voilà, pour nous qui venons de la gauche, dans la majorité présidentielle, il est vrai qu'il y a beaucoup de débats sur ce qui a été proposé, notamment sur la réduction du temps de l'assurance chômage. On pense qu'il y a aussi un combat qui pour nous est peut-être aussi prioritaire, voire plus prioritaire, c'est essayer d'aller faire en sorte que les deux tiers des 400 000 d'emplois qui ne sont pas pourvus puissent être dans un premier temps. Ensuite, les leviers qui concernent l'assurance chômage, pourquoi pas un peu de... Mais l'amener au débat comme étant l'alpha et l'oméga qui permettra de lutter contre le déficit, je ne pense pas que ce soit le cas. Après, l'objectif principal, c'est justement de pas augmenter les impôts pour les Français, c'est ce qui a été dit, et surtout, en améliorant l'employabilité. Alors, Thomas Cazenave, qui était l'invité ce matin. On peut augmenter les impôts de certains Français. Il est possible d'augmenter les impôts de nos milliardaires. C'est quand même quelque chose de faisable. Ça se discute au niveau français, ça se discute au niveau européen. C'est quand même faisable. Et ça, on n'en entend jamais parler, parce qu'on ne veut pas toucher à ça. Il existe des milliardaires. Les milliardaires français, ils ne sont pas si nombreux que ça, mais il y en a pas mal. C'est les plus gros milliardaires du monde. Thomas Cazenave, ce matin, l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, dit « On est ouvert à tous, à toutes les bonnes idées pour faire des économies. La majorité présidentielle a besoin d'avoir des idées pour faire des économies. » Je pense, oui. Bah oui. C'est vrai? Oui, on n'a pas besoin d'être spécialiste de l'économie. On voit qu'il y a un déficit qui augmente de façon assez importante. Mais alors, on fait comment? Comment on arbitre? Bientôt, il va y avoir un juge très important qui va être la note de notre pays sur les marchés financiers. Et si elle est dégradée, on rentre dans une autre spirale. Donc, nous, il faut absolument c'est l'intérêt national d'éviter de rentrer dans une dynamique comme celle-ci et ne pas avoir peur d'amener des sujets sur le débat. La taxation des milliardaires, même si j'aime pas utiliser le terme comme ça, peut en être un, mais il y a d'autres. Des nouvelles taxes qui peuvent être réfléchies aujourd'hui, liées aux nouvelles technologies. Une nouvelle taxe. Et si on avait des finances plus saines, en fait, et si on avait des finances publiques plus saines, c'est pas une meilleure idée? Pardonnez-moi. Si on avait des finances publiques plus saines, par exemple. Parce que là, aujourd'hui, c'est une course à l'échalote, mais ça date de Louis XIV, donc c'est pas Macron. Depuis Louis XIV, en fait, on déclenche des guerres, et puis une fois qu'on a commencé la guerre, on commence à construire un château, et puis on s'aperçoit qu'on va pas avoir assez d'argent, et on va chercher encore plus d'argent dans la poche des Français, ça date de Louis XIV. Je reprends le titre du Figaro ce matin, qui dit « Question sur l'imprévoyance de Bercy ». Moi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comment, effectivement, on découvre un tel déficit entre le mois de décembre et le mois de mars. Enfin, on pilote...
pas vu un paquebot comme celui des finances publiques. Non, mais on avait... Vous n'aviez pas la majorité des petits signaux? Si, il y avait des signaux, il y avait des incertitudes. Après, il y a le seuil symbolique du passage au-dessus du déficit des 5%, je pense, qui a marqué pas mal de monde. Mais c'était une dynamique qui a été anticipée, pas suffisamment, si certains peuvent le dire. Mais de là, il ne faut pas non plus tomber dans une panique généralisée sur cette affaire. Est-ce que les collectivités vont être mises à contribution, Christelle? C'est exactement ce que j'allais dire, parce que je crois que ça, c'est le grand débat. Je crois que ça nous a déjà été promis. On nous a demandé de faire des économies. On nous a promis de réduire nos dotations. Alors déjà qu'on n'en avait pas beaucoup. c'est très compliqué. Vous êtes à l'os? À l'os, hein, ça fait longtemps. Il n'y a plus grand-chose. Effectivement, ça pose problème sur la gestion des politiques publiques qu'on peut mener encore sur nos territoires. Ce qui est terrible. Ce qui est terrible parce que on a besoin de plus de décentralisation. C'est ça. Donc plus de décentralisation. C'est ce qu'on nous demande. Bah oui, plus de décentralisation, ça veut dire plus de recettes pour les collectivités locales et territoriales au moment où on les coupe. Et puis on nous a retiré les moyens. Enfin, je veux dire, si vous prenez à l'échelle d'une ville, avant on bénéficiait de la taxe d'habitation, maintenant on n'a plus que la taxe foncière pour pouvoir avancer. Quand vous avez plus beaucoup d'espace, vous pouvez pas construire, vous avez pas d'entreprise, vous prenez sur les quelques derniers propriétaires qu'il y a sur votre territoire. C'est ça. C'est impensable. C'est impensable. Et on demande à une base encore plus petite d'assurer. Est-ce que vous avez trop d'agents? Est-ce qu'il y a trop d'agents territoriaux? On dit qu'on a beaucoup embauché. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Ça dépend des communes. Et ben nos agents, je les félicite parce que ce qu'ils peuvent pour faire tenir nos collectivités sur le département et à plus forte raison sur ma ville. Donc non, je dirais pas trop d'agents, je dirais que les agents sur lesquels, en tout cas après je pense que ça c'est peut-être à la discrétion de chacune des collectivités, mais en tout cas chez nous c'est plus la question de comment, même si on a augmenté le point d'indice et que ça a un impact extrêmement lourd sur notre budget, parce que l'augmentation du point d'indice c'est vrai, c'est bien, mais peut-être qu'il y a une question à se poser sur la manière dont on les accompagne pour mieux assurer leur mission. Mais merci à nos agents territoriaux, parce que la mission est large. Jean-Luc, on a déjà connu des périodes avec le patron de la Banque de France dit surtout pas de rigueur, simplement une bonne gestion. Et il rappelle au gouvernement qu'il faut surtout pas faire le virage de la rigueur. On n'en prend pas le chemin, puisque là, on va augmenter les fonctionnaires pour les JO, on va recruter des professeurs, etc. Mais ce qui paraît logique, vu l'état de leur salaire au départ, quoi. Je suis peut-être un peu vieux, mais ce débat-là... Non, merci. ça me rappelle tout le débat Giscard-Raymond Barre, si vous voulez. C'est un peu plus récent que Louis XIV. Il semble qu'on en est exactement au même point, avec une inflation à l'époque, si je me rappelle bien, à 12 à 15 % et sur les finances publiques. Clairement, je sais pas, c'est des phrases que je sors, c'est rapide à sortir, c'est plus difficile à mettre en place, mais une plus grande décentralisation, une plus grande confiance dans nos régions, nos départements, nos communes, serait, me paraît-il, et l'État reste sur le régalien. Oui. Bien sûr. Ça paraît être absolument... Ils veulent des idées, on va les envoyer. J'en ai même une excellente sur l'indemnisation chômage. J'en ai même une excellente sur l'indemnisation chômage, vous pourrez en parler, vous pourrez la relayer. Voilà, alors quoi qu'il en soit, il y a aussi cette question de chômage, et on va y revenir dans un instant. Il y a un secteur qui recrute à tour de bras, c'est le secteur de la sécurité, surtout en prévision des JO. Il y a encore des appels, effectivement, au recrutement qui se font aujourd'hui. On a appris donc hier que tous... L'État français, Beauvau, avait fait appel à nos confrères, à nos voisins, à nos alliés, pour venir renforcer les forces de sécurité. Et certains se demandent s'il ne faut pas tout simplement un plan B aujourd'hui, sérieusement, compte tenu de la situation, le risque attentat qui a été relevé pour la cérémonie d'ouverture. Mais déjà faire appel à de l'assistance, c'est-à-dire 2000 à peu près hommes ou femmes pour venir épauler nos forces de sécurité, ça fait partie bon fonctionnement de nos relations. On envoie souvent des policiers, des charnifleurs sur des différentes. C'est pas nouveau, ou ça vous choque? En plus j'ai cru comprendre que sur les JO il y avait en plus que ça s'était déjà fait en fait. Oui, on surveille notre nation, donc ça se fait. Non, ça va peut-être apporter un peu de folklore sur les JO. On va avoir des uniformes différents. C'est ça. Non, mais plus sérieusement, effectivement sur les questions de la sécurité, il manquait 60 000 agents déjà, ne serait-ce que pour assurer
la sécurité. Il y a toutes les questions sur les réformes, sur les statuts, parce que quand même, la population qui fait la sécurité aujourd'hui, c'est des gens qui viennent de l'immigration. Donc ça n'a pas aidé, parce que les chefs d'entreprise qui sont dans ce secteur-là le confient volontiers, hein, ils le disent. Et c'est, ça facilite pas la tâche, toute la démarche administrative. Donc on doit faire face à ça, à ce déficit. On va mobiliser nos gendarmes, on va mobiliser nos policiers. Donc à un moment donné, si on doit rapatrier tout le monde sur la région francilienne, qu'est-ce qu'il va rester ailleurs en France et dans quelles conditions? Donc ouais, je pense que c'est plutôt une bonne idée de faire appel à... Et puis peut-être que ça peut contribuer aussi à améliorer les liens. Je pense pas qu'ils aient été mauvais, mais ça renforce les liens. Peut-être que ça s'est déjà fait, je connais pas les usages, et peut-être que ça a du sens. Ça fait bizarre en termes de souveraineté nationale, et de capacité à organiser une grande manifestation. Et puis après, je me pose la question de la coordination. Après, je me pose la question de la coordination. Sous l'égide de Beauvau. Donc, il y a des accords. Je sais pas si ça me rassure, en fait. Mais il y avait déjà des déplacements de supporters, il y a des qui sont classés pour le football, ils sont encadrés par les policiers de leur pays. Pour la Coupe d'Europe là, à l'époque, on sent quand même que ça va être tendu. Voilà. Après, sur la cérémonie qui est la cérémonie d'ouverture sur la scène, Bauer l'a dit, donc il est quand même un des grands spécialistes de la sécurité. C'est Alain Bauer, hein, donc qui avait dit que c'était criminel. Il a prononcé ces mots-là. Donc il y a un souci parce que là, ça reste. Hein, on l'a partout. Donc s'il se passe quelque chose, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas été prévenu. Donc ça va être très très compliqué. J'aimerais pas être à la place du gouvernement là, en l'occurrence. En tous les cas, on va y revenir dans un instant. On va s'arrêter puisque la DGSI veut convaincre Gérald Darmanin d'annuler la cérémonie d'ouverture sur la scène. C'est un lieu trop ouvert, trop difficile à sécuriser. Est-ce qu'il y a un plan B vraiment? Pour l'instant, on va le voir et vous allez nous donner votre avis. Jean-Luc, vous allez pouvoir réagir. Allez, il est midi moins le quart. À tout de suite. Sud Radio. Salut à tous, c'est François Triot. Vous êtes désormais 900 000 sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Merci pour votre fidélité et on vise le million. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, la dernière ligne droite avec vous quatre, Ergun Topaslan, Jean-Luc Benamias, Christelle Nias et Fabrice Akoun. On en vient donc à cette cérémonie d'ouverture des JO, puisque effectivement, depuis l'attentat de Moscou, le degré d'alerte attentat a été relevé à son maximum. Et la DGSI, alors attention, on met du conditionnel, aurait demandé à Gérald Darmanin, ou essayé de le convaincre, de ne pas organiser la cérémonie d'ouverture sur la scène, trop risqué, faut un plan B. Je rappelle quand même que l'équivalent de 4 stades de France en public, en capacité, seront sur les 6 km de berge de la Seine, plus 200 bateaux, avec cette difficulté que c'est plongeant, c'est un secteur très ouvert, et donc certains disent c'est absolument insécurisable à 100%. Ça vous inquiète, ou la France est capable, Jean-Luc, d'organiser un tel degré de... Où est-ce qu'on se rapatrie? Je ne sais pas, sur les Champs-Élysées, sont peut-être plus faciles à canaliser. J'imagine un truc... Je trouvais l'idée hyper sympathique. Au départ, c'était 600 000 personnes, on est descendu à 280 000. Hein. Évidemment, dans un monde pacifié, ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, et au-delà même de l'attentat et odieux qui a eu lieu à Moscou. Parce qu'il y a le monde pacifié, non pacifié, on voit de quoi je parle. Il y a des guerres un peu partout. Et qui sont prégnantes, encore plus prégnantes aujourd'hui. Donc, moi, je comprends, je ne sais pas si cette déclaration de la DGSI est réelle ou pas, mais je comprends la difficulté. Quand je dis qu'il y a un plan B, vous savez, les Jeux Olympiques, c'est quand même pas très nouveau. Il a été organisé dans plein de capitales du monde entier. Généralement, on fait ça dans le stade. On a le Stade de France. Alors, évidemment, sur cette très belle idée qui était d'être sur la scène, ça change la donne sur le côté magnifique. Je vous rappelle quand même que une autre initiative pendant les Jeux Olympiques, hein, le triathlon, c'était un débat par rapport à la propreté de la Seine, aura lieu lui aussi. Alors est-ce qu'on annulera pour autant les initiatives, la compétition de triathlon au-delà des histoires de pollution de la Seine? Je ne sais pas. Mais je crois que effectivement la question se pose de réussir à gérer 300 000 personnes sur les quais, vu la situation internationale. C'est une question légitime pour vous, qu'il faut se poser. Oui, oui, il faut aujourd'hui que le gouvernement annonce un plan B. Parce que pour l'instant, il n'a pas annoncé de plan B.
Mais le plan B, je viens de le donner, tout le monde y pensera sans que je le donne. Enfin, que ce soit les Jeux Olympiques à Pékin, que ce soit les Jeux Olympiques à Rio, à Londres, c'était dans le stade, la cérémonie d'ouverture. Donc ça, on sait le faire, on sait le maîtriser. Donc voilà. Alors je parle pas en l'air en disant cela, hein. Je le redis, c'est dommage. L'idée était belle. Et elle a déjà coûté des millions, des dizaines de millions d'euros, hein, dans la préparation. Voilà. C'était sympa. Mais dans la situation mondiale, on ne serait pas surpris d'avoir effectivement un changement de lieu, Fabrice. Très honnêtement, c'est vraiment une question d'hyper spécialiste en fait. Donc on peut avoir un avis, mais après techniquement, je me rends pas compte. Moi, ce que je sais, c'est que l'essentiel du renseignement se fait en amont, parce que de toute façon, que ce soit les Champs-Élysées ou que ce soit la Seine, si quelqu'un veut commettre un attentat, même sur les Champs-Élysées, je pense qu'en se mettant très en avance dans un appartement désaffecté, je ne sais où, avec un fusil à lunettes, ou s'il veut poser, je pense qu'il y a toujours un moyen de faire du mal. Mais donc je crois que la question, c'est vraiment du renseignement en fait. Est-ce que le renseignement amont est suffisant? A priori, on a quand même un très bon renseignement antiterroriste, puisqu'on évite tous les jours des attentats. Donc au-delà de ça, je ne saurais pas me prononcer sur techniquement, parce que c'est vraiment un métier de. C'est une question de spécialiste, quoi. Est-ce qu'on joue à se faire peur, Christelle Ergun? Jouer à se faire peur, je sais pas. Je crois que, enfin, je pense que c'est le travail de l'élu local au quotidien. Enfin, depuis 2020, moi j'ai été élu en 2020 en ville. On a été élu dans le Covid. Je crois qu'on sortait des attentats et on a eu les attentats parce qu'il y a eu Samuel Paty. Enfin, et on a vécu en fait cette menace en permanence. Et donc effectivement, on est obligé de la prendre en compte dans festivités, les événements qu'on veut organiser. Alors, bien évidemment, organiser un événement à Villeneuve-Saint-Georges, c'est pas organiser la cérémonie des Jeux Olympiques. La cérémonie d'ouverture. On est bien d'accord. Et puis surtout la caisse de résonance, la caisse de résonance politique, parce que c'est un événement politique. Dans le stade municipal. C'est un événement politique. Aujourd'hui, on est au quotidien inquiet. Enfin, je veux dire, quand on parle des fan zones, c'est dans nos têtes. Oui. Donc si au quotidien, nous les élus locaux, on s'inquiète sur ce type d'événement, et que là, enfin, je veux dire, la DGSI, dans la presse, tente de convaincre. Je veux dire, des informations qui doivent être, moi, je n'estime pas devoir avoir accès à ces infos. Oui, parce que si sur ça la place publique, il y a une volonté aussi de faire peser sur. Donc ça dit quand même les choses. Ça veut dire que peut-être il y a une nécessité de réadapter le projet. D'autant que je crois que on a déjà eu un attentat qui avait été déjoué par nos services, par l'impossibilité qu'ils avaient eu de pouvoir rentrer dans le stade. Donc je crois que il y a effectivement des terrains. Le stade, voilà, il faut s'en prémunir. En France, on n'est pas dans un monde complètement pacifié aujourd'hui. Ça, c'est une réalité malheureusement. On est en vigipirate renforcée. Il y a peut-être la nécessité de s'adapter à ce qu'est notre quotidien. Qu'est-ce qu'on dit dans les couloirs et dans les coulisses du camp du gouvernement et du camp présidentiel? Parce que c'est une très très belle idée sur le papier, c'est magnifique. Après, on se rend bien compte qu'à un moment donné, on joue. La sécurité, ça a toujours été la première des priorités. Donc, effectivement, si l'évaluation tend à dire qu'il faut pas le faire, il faut trouver une solution de repli. On avait eu un débat il y a quelques temps. C'était avec la ministre des Sports qui avait dit qu'il n'y a pas de plan B, etc. Mais elle cumule. Donc, tout cela est un petit peu passé. Blague à part. C'était avant. C'est ça. C'était il y a très longtemps. Quelques semaines. Blague à part, en fait, le monde pacifié, en fait, on l'aura jamais. Il n'y aura pas un monde où il y aura zéro risque. Mais là, on est au-delà. Hein. Voilà. Mais pour autant, est-ce que cela doit nous empêcher de tenir notre rang? Parce que quand on a candidaté pour ces Jeux Olympiques, on a beaucoup mis en avant notre capitale, qui depuis s'est un petit peu dégradée. Mais pour autant, on est très attendu là-dessus. Il ne faut pas perdre de vue qu'en matière de sécurité, on a déjoué énormément d'attentats, comme ce qui a été dit aujourd'hui. Mais c'est vrai que là, on est dans un élément très spécifique. Donc, caisse de résonance politique énorme. Moi, le sentiment, ça serait qu'on puisse faire aboutir un peu l'idée qu'on a eue de base. Mais si c'est vraiment trop risqué, c'est pas la peine. On parle de vie humaine qui sont en danger. Hein. Si on en a les capacités et qu'on juge qu'on en a les capacités, allons-y. Hein. Oui, bien sûr. Oui, c'est. Alors, pour la petite histoire, il y aura 35 000 hommes et femmes qui vont assurer la sécurité pendant la totalité des Jeux, et 45 000, c'est-à-dire on augmente de 10 000, rien que pour enfin, en tous les cas, qui seront en plus présents, enfin, en plus, qui seront pour la cérémonie d'ouverture, donc on augmente les capacités, pour l'instant, c'est ce qui est prévu. C'est l'image de la France aussi qui est en jeu. C'est ça, à un moment, on voulait retirer les bouquinistes, mais finalement, après... Là, on enlève les
les SDF et les migrants, visiblement. Voilà. Et les étudiants, hein. On chasse de leur logement pour... Et les Parisiens et les Franciliens. C'est ça. Comme ça, c'est ça. C'est ça. C'est bien fait. C'est un peu space, quand même. Non, mais on plaisante, mais c'est absolument pas drôle là-dessus. Il faut rendre la chose aussi réalisable, parce que quand vous parlez à nos agents, enfin des agents de police, si on veut qu'ils puissent remplir leur mission, il faut aussi leur donner les conditions de la réalisation. C'est-à-dire... Exactement. Sur la scène, à un moment donné, ils le disent. Il y a la sécurité de la cérémonie d'ouverture, mais il y a la sécurité de l'ensemble du pays aussi, à ce moment-là. Il ne faut pas s'oublier non plus, Jean-Luc. Exactement. Parce qu'il y aura pas que Paris. Sur toutes les choses, je le rappelle souvent, ils ont lieu aussi à Marseille, rappelez-vous. Mais oui. Mais bien sûr. Pas qu'à Marseille. Et j'oublie pas la Polynésie. Et la Polynésie. Bah oui. Il y a Marseille, il y a Lyon, il y a Bordeaux, il y a Saint-Étienne. Pour les salles de foot, tu as raison. Lille, il y a Strasbourg. Enfin, c'est un peu partout en France. Mais effectivement, Jean-Luc, vous avez raison. La flamme olympique arrive le 8 mai à Marseille. Et c'est là qu'on relie tout ce qui est navigation. Il y a la parade. Il y aura la parade avec le bateau et le Belém qui va rentrer dans la rade. On dit quoi, la rade de Marseille. Oui, on peut dire ça. Non, moi, j'appelle ça le vieux port. Bon, il n'y aura pas de sardines qui vont bloquer ce jour-là, hein, comme on dit. Parlant de Belém, Fabrice, ouais. Pardon, non, j'ai cru comprendre que les Brésiliens, les athlètes brésiliens en plus refusaient de se baigner dans la Seine. Ah, oui. En plus, donc ça rentre aussi dans la... Non, cette polémique existe. Rappelez-vous que... Je vais faire l'ancien, moi, mais c'est Jacques Chirac qui disait se baigner dans la Seine. Avant la fin de son mandat. On en rêve tous, hein, cela dit, hein, de se baigner dans la Seine. Non. Mais ça existe au moins sur les canaux. Bon, écoutez, on arrive au terme de cette émission. Merci infiniment à tous les quatre, Ergun, Jean-Luc, Christelle et Fabrice. Je vous souhaite un très très bon week-end prolongé. Lundi, c'est un best-of qui revient et Valérie Expert reviendra mardi en direct avec Gilles Gansman. Et puis aujourd'hui, c'est la journée des nuages. Donc regardez dans le ciel, c'est la journée mondiale. C'est trop mignon. Oui, mais il y a des scientifiques qui veulent leur classement pour les protéger parce qu'ils sont en train de... Ah bon, ça agit. Oui, oui, absolument, ça vous intéresse. Oui, c'est sympa. Bon. Et puis, la dernière fois, on avait polémiqué sur la journée de la femme. Journée des droits des femmes. Allez, c'est le bon week-end, bonne journée sur Sud Radio. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Alexis Poulain. Allez, à bientôt. La journée des Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.